Je suis là! Hey, salut les Dominicains, comment ça va aujourd'hui? Alors, je suis content. Vraiment, je suis content parce que aujourd'hui, on va finir avec les lettres de l'alphabet français et la continuation de ce qu'on a fait la semaine passée. Et je suis content parce que je sais que vous êtes venus une grosse quantité, le premier groupe et le deuxième groupe. Aujourd'hui, on va continuer avec le U, V, W, X, Y et Z, ok? Avec la lettre U, nous avons une rue, la vue, la voiture avec le V, un livre. J'ai mis les uns ici. Avec le W, le wagon, le kiwi. Avec la lettre X, un axe et exact. L'Y, un rayon, pardon, Y, un yaourt. Et raillé. Et le Z, c'est le zèbre et le numéro 15, c'est-à-dire 15. Okay? Entonces, si lo traducimos rápidamente, para que ustedes lo practiquen en casa, tenemos la U, una calle y la vista. Con la V, el vehículo, un libro. Con la W, el vagón y el kiwi. Con la X, un axe y exacto. Con la Y, un yogur y, perdón, un yogur y rayar, ¿no? O trazar. Con la Z, o avec le Z, la cebra, que está aquí por aquí, si lo ven, no sé si lo ven, pero bueno, y el número 15, ¿ok? Esto es lo que corresponde al tema y la culminación de los temas pasados que hemos hecho con respecto al alfabeto francés. El alfabeto francés, que recuerden, son 20 consonantes y 6 vocales, porque la Y, que es una consonante, está considerada también como una vocal. Entonces, aquí lo tienen, practíquenlo, escríbanlo una, dos, tres veces y van a ver ustedes cómo se les facilita mucho más el francés. Así que, dominguinos, me tengo que ir.